C'est ultra simple. C'est à coup sûr la phrase que j'ai le plus entendue ces 3 derniers jours. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle galère. Ouais, en vrai, c'était une grosse galère. La vidéo que vous vous apprêtez à voir, ça fait plusieurs jours que je la prépare. Elle m'a pris bien plus de temps que prévu à faire. Laissez-moi vous présenter le concept. Un mini PC. Ici, on a un Geekom Mini IT13 qui sponsorise cette vidéo. C'est les meilleurs. Merci Geekom. Eh bah oui les mecs, puisque pas de mini PC, pas de vidéo. J'adore ces PC parce qu'ils sont petits, compacts et puissants, même très puissants. Et de la puissance aujourd'hui, il nous en fallait pour faire ce qu'on avait à faire. Le concept, lequel est-il, mesdames et messieurs, c'est transformer ce mini PC en une console de jeu. Tout simplement. Ça, c'est la théorie, parce que je vous assure que rien n'était simple. Et j'en ai bouffé des tutos ces 3 derniers jours, les mecs. J'en ai englouti du contenu sur l'émulation. En suis-je ressorti plus cultivé sur le sujet ? J'en sais rien, en tout cas j'en suis ressorti avec un crâne comme ça mon gars. Un boulard prêt à éclater en ébullition d'émulation. C'est beau ça. Cette vidéo n'a pas la prétention d'être un tutoriel. Moi-même déjà j'ai galéré de ouf. Clairement ce serait Jean-Michel, je sais pas faire du piano, qui apprend la musique à Mozart. Je vais rester assez évasif sur le sujet, tout en essayant d'être le plus clair et le plus compréhensible possible. Totalement contradictoire ce que je viens de dire. Ici le but de la vidéo c'est surtout vous dire que c'est possible de le faire et vous montrer la finalité du truc. Comment tout ça va tourner. Les prérequis pour faire ça, du temps, beaucoup de temps, un mental d'acier, des nerfs solides et un mini PC. Eh bah oui, c'est quand même l'élément principal. La config, ici, on a un Geekom Mini IT13 équipé d'un i9 13900H, 32Go de RAM en DDR4, 2Tera de stockage en SSD et le Intel Iris Xe pour la partie graphique qui va être bien sûr rattachée au processeur. Ici, on n'a pas de partie graphique dédiée. Vous l'aurez donc compris, on est sur un petit monstre là. Avec ça, les mecs, vous allez pouvoir émuler toutes les consoles jusqu'à la Nintendo Switch PS3. Nintendo Switch PS3, je les mets sur un même piédestal puisque pour moi, techniquement, c'est à peu près les mêmes. Certains vous diront que la Nintendo Switch est supérieure à une PS3, d'autres vous diront l'inverse. Perso, je trouve que c'est deux consoles qui se valent. Bien qu'aujourd'hui, je pense que la Nintendo Switch reste quand même plus facile à émuler que la PS3. Je pense que c'était le rêve de beaucoup d'entre nous lorsqu'on était gamin, pouvoir mettre toutes les consoles du monde dans une seule machine. Eh bien aujourd'hui, en 2024, c'est possible. Et comme le dirait bon nombre de tutoriels, c'est ultra simple. Frérot, s'il te plaît, arrête de me dire que c'est ultra simple. Ça va commencer à m'énerver. Tout ce qui est ultra simple pour toi est certainement ultra compliqué pour quelqu'un d'autre. On croirait moi qu'essaye de faire un cours de montage à mon frère. Regarde, c'est simple. Tu cliques ici, voilà. Là, tu fais un petit peu comme ça. Là, hop, 2-3 clics. Tu reprends un petit peu sur ton clavier comme ça. Et t'appuies sur entrée et c'est fini. T'as plus rien à faire. Alors, c'était compliqué. Et puis lui, il est là au-dessus de mon épaule. Il essaye de suivre tant bien que mal. Et moi, je suis là. Alors, tu suis? C'est bon? Tu arrives? T'as vu? C'est pas compliqué quand même. Hein? Petite dédicace à mon frère s'il passe par là. Cette situation est complètement réelle, les mecs. Hein. Et j'en ai pris conscience. C'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps que ça, je faisais partie de la catégorie des gens qui disaient c'est ultra simple. Mais non, tout ce qui peut paraître simple pour toi est très certainement compliqué pour quelqu'un d'autre. Et c'est exactement le cas pour moi avec l'émulation. Déjà, quand le mec commence son tutoriel par vous allez voir, c'est ultra simple. Lui, je le zappe, je l'écoute même plus, je passe directement à l'autre tutoriel qui me dit reste concentré, reste focus, tu vas voir, il y a 2-3 trucs à assimiler, mais tu peux le faire. Je préfère l'écouter lui, qui est dans le réel. C'est ultra simple. Pour ce faire, vous avez besoin de 2 logiciels, Balena Etcher et Batocera. Et c'est tout. Ok, Balena Etcher. D'accord, Batocera, ouais. Tu télécharges ces 2 logiciels, tu auras besoin d'une clé USB ou une carte SD qui fait 16Go minimum. Minimum. Ouais, ok, j'ai. Tu ouvres Balena Etcher, tu vas cliquer sur Flash From File, tu vas aller chercher ton Batocera que tu as téléchargé précédemment, tu cliques sur Select Target, tu sélectionnes la clé USB que tu as branchée sur ton ordinateur, et tu appuies sur Flash. Et ça y est, c'est terminé, tu as fabriqué ta console de jeu. Alors, c'était compliqué? Là, ouais, ok, nickel. Non, ça va, c'était tranquille. Et bah tu vois, c'est parfait. Maintenant, on va passer à la partie numéro 2, on va mettre à jour les BIOS. Attends, comment ça mettre à jour les BIOS, mon frérot? Tu viens de me dire que c'était terminé, c'est fini là. Alors c'est pas fini en vrai, il y a d'autres choses à faire. Oui, mais c'est 3 fois rien, un jeu d'enfant, c'est aussi simple que de claquer des doigts. Ouais, ok, d'accord, je t'écoute. T'as déjà entendu parler du langage binaire? Ouh là là, qu'est-ce qu'il me raconte, langage binaire? Ouh là 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 là, c'est compliqué. Tu vas voir, c'est ultra simple. Alors là, mon frérot, j'ai décroché au moment où tu m'as parlé de langage lunaire. Écoutez-le, mais non, c'est ultra simple. Tu vas taper sur ton clavier Alt W R 2001002 03 //8 # c'est ultra simple //192.168.1.36 et tu fais entrer. Là, je suis comme ça, mon gars. Je viens de me prendre un gros chaos technique dans la gueule. Je suis sonné. Je viens de me prendre une grosse gifle dans la tête. Il y a 30 secondes, mon frérot, tu m'as dit que c'était fini, pas qu'il y avait du codage à faire. Bon, je rajoute complètement les mecs, évidemment, il n'y a pas tout ça à faire, mais c'est pour vous donner un petit peu l'idée du truc, quoi. Bon, ok, une bonne journée plus tard, en allant regarder 10 autres tutos, des Reddit en anglais, en russe, en chinois, pour savoir exactement comment fallait faire tout ça.
veuve la fin prêt, j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé. Alors, c'était réellement compliqué? Un peu quand même, hein, mais ça va, j'ai réussi. Et ben voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante. Tu vas démarrer ton PC en mode Windows, on va aller chercher le réseau Bateau Serra, tu vas rentrer dans le dossier Share, le sous-dossier BIOS, on va venir rajouter des BIOS et ensuite tu pourras caler tes ROM à l'intérieur de l'émulateur. Pam mon gars, deuxième KO technique, gros gif, le mec me couche. 1, 2, 3... 4. Je me relève comme ça mon gars dans les vapes parce que là je viens de prendre une grosse gifle dans la tête. Faut que je digère la nouvelle, je viens d'apprendre que c'est pas fini mon gars. Hop 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 hop, pas de panique, c'est ultra simple. C'est de la provocation monsieur l'arbitre. Je demande à temps mort. Et là les emmerdes ont commencé les mecs parce que moi je le trouvais pas le réseau Bateau Serra, il s'affichait pas dans mon PC. Pourtant j'ai fait absolument tout ce qu'il a dit, je l'ai suivi étape par étape, impossible de trouver ce réseau Bateau Serra. Et allez c'est reparti pour tourner sur des Reddit en chinois, en russe, en mandarin, dans toutes les langues que tu veux. Bref, 3 jours plus tard les mecs. Et j'en suis fier, je vous présente ça comme une pièce de collection. J'ai réussi à installer mon Bateau Serra et tout ce qu'il fallait. Bon alors j'ai pas installé tout ce que je voulais installer les mecs. En vrai c'est parce que j'ai pas voulu me prendre plus la tête que ça. Déjà j'ai un boulard comme ça avec les tutos que j'ai vus. Et l'autre qui continue à me chauffer, à faire de la provocation. Regarde, c'est simple. Arrête de me dire c'est simple, arrête, tu me chauffes là. C'est pas simple, y a rien de simple. Bon vous l'aurez compris les mecs, vraiment, bon j'en rajoute pour cette vidéo hein. Alors aucune chaîne d'émulation n'est visée dans ce que je dis hein. Sauf celui qui a pas arrêté de me dire que c'était simple. Arrête de me dire que c'est simple. J'espère ta chaîne elle va fermer, tu vas prendre des strikes mon gars. Non je rigole les mecs, non c'est pas vrai. Je rigole. De toute façon, je vais te signaler. Non, vraiment, c'est pas vrai, les mecs. Hein. Je blague. Hein. Y a personne. Personne n'est visé. Personne. Et voilà, les mecs. Après moult aventures, moult péripéties, j'ai envie de dire, nous y voilà. J'ai fabriqué ma console de jeu. Et donc, j'ai pas tant de jeux que ça. Alors, j'ai pas tant de jeux que ça. J'en ai quand même combien ? 9000 quelque chose ? 9091, c'est pas si rien que ça. Et donc là, les mecs, bah j'ai toutes les consoles. Vraiment, là, il y a toutes les consoles. Alors, évidemment... que dans chaque console, il n'y a pas tous les jeux. Voilà, il y a même plein de consoles où j'ai pas de jeux du tout. Bon, après, vous allez télécharger les jeux sur des sites. Il y a plein de sites qui proposent des ROM, les mecs. Hein. Xbox, il y a tout. Il y a tout, les mecs. Il y a même des consoles, je sais même pas c'est quoi. Bon, après, Nintendo, Game Boy, Super Nintendo, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Color, la GameCube, la Game Boy Advance, la DS, la Wii, la 3DS, la Wii U... Bref les mecs, voilà je peux faire le tour mais vous avez toutes les consoles. Et donc je vous le dis avec cette configuration les mecs, avec le mini T13, vous allez pouvoir émuler sans problème jusqu'à la Nintendo Switch PS3. Voilà, au-dessus après ça commence à être chaud, hein, PS4 et tout. Au pif, je veux démarrer un petit jeu de Dreamcast, un petit, Resident Evil 3. Je le démarre, alors vous avez vu que j'ai téléchargé quelques jeux. Voilà, j'ai pas téléchargé tous les jeux de toutes les consoles. Déjà d'une, parce que j'ai pas 150 000 gigas de stockage. Et puis de deux, parce que j'ai pas tout ce temps-là. Et voilà les mecs, regardez, à l'ancienne, sur Dreamcast mon gars. Écoutez quand j'appuie. C'est pas très fort. Oh là là, comment il était trop bien ce jeu à l'époque les mecs. Oh là là, comment il pique les yeux. Ce truc de ouf, ah, il était trop bien. À l'époque, il était trop bien. Je m'en souviens sur la PlayStation 1 et tout. Voilà, Resident Evil là. Allez, à l'ancienne là, ça va réveiller la nostalgie de certaines personnes dans les commentaires. C'est sûr. Et ça tourne, bah, ça tourne extrêmement bien les mecs. Hein. Voilà, là par exemple, je suis sur Dreamcast. Ça tourne nickel. Et encore, je vous dis, j'ai pas téléchargé tous les jeux parce que... Voilà, t'as plein de bons jeux sur Dreamcast, Virtual Tennis et tout, qui tournent à 60 FPS. Enfin, c'est excellent, les mecs. Là, je fais start, j'appuie sur le bouton Xbox. Normalement, tac, je quitte carrément le jeu. Voilà, par exemple, si je veux faire un petit jeu de Mega Drive, j'ai tous les jeux de Mega Drive, les mecs, à l'ancienne. Oh là là, regardez ça. Je sais pas si vous avez connu le jeu Dragon, l'histoire de Bruce Lee, sur Mega Drive. Comment il était trop bien. J'ai kiffé, mon gars. Kiffé. Oh là là, regardez ça, quoi. Oh, pff. Énorme, énorme mon gars. Qu'est-ce que j'en ai passé du temps là-dessus avec mon frangin. Oh, c'était énorme les mecs. Je sais pas si vous avez connu ces jeux-là. Oh, oh là là, comment c'est éclaté au sol mon gars. Non mais c'est vrai, je dis ça maintenant genre. Mais franchement, c'était trop bien. Vous savez pas le temps que j'ai passé là-dessus. C'était excellent, ça c'était la PlayStation 5 de l'époque mon gars. Les graphismes, ils étaient trop bien faits. On chialait tous devant ça mon gars. On chialait tous. C'était génial. Comment je me suis fait éclater mon gars là. Oh la vache. Oh là là, regardez ça les mecs. Il était trop bien ce jeu. Le Roi Lion sur Mega Drive.
Le Roi Lion, les mecs. Aladdin. C'était énorme. Je l'ai même sur Nintendo Switch, celui-là. Il y avait la collection Mega Drive qui était ressortie et tout. Bah, avec Aladdin, le Roi Lion. Aladdin et le Roi Lion, en fait. Il y avait que ça. Oh là là. Oh, énorme. Énorme, les mecs. Il y a pas moyen de mettre plus de son. Ah, paramètres audio. Ah ouais. Bah, bien sûr, mon gars. Fais, monte-moi le son, là. Écoutez, les mecs. Oh, c'était trop bien. J'ai adoré ce jeu. Il était excellent. Oh, oh la vache, mon gars. Les pâtés de pixels. It's out. Avec Timon qui... Oh, écoutez, écoutez. Regardez, le petit secret à trouver là. Fallait faire une... Puge. Fallait faire une roulade normalement. Non. Je sais plus comment on l'attrape. Ah, c'était comme ça. Oh. Voilà, comme ça. Oh, excellent. Moi, j'adorais quand il devenait grand après. Est-ce que vous avez connu ces jeux-là? Dites-moi s'il y en a qu'on connu un peu dans les commentaires. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez rien raté, les mecs. Puisque vous pouvez tout rattraper. Grâce au mini T13 et au tuto de l'autre qui dit que c'est ultra simple. Non, je rigole. Encore une fois, personne n'est visé. Vraiment, c'est pour la vanne. Bien sûr. Hein, c'est comme je vous dis, il n'y a pas de langage lunaire ou binaire ou je sais pas quoi. Voilà, c'était un petit... Wow. Comment je me suis fait éclater? C'était un petit peu pour la blague. Mais quand même, je sais même pas à quoi jouer là-dedans. PS2, bah oui, aucun jeu, je les ai pas mis. PS3, PS Vita, vous avez tout, les mecs. Vous avez tout. Je crois qu'il manque juste la Nintendo Switch. La Nintendo Switch, parce que vous savez, il y a eu des problèmes avec les émulateurs et tout, mais je crois qu'il y a des nouveaux émulateurs maintenant. Ça s'appelle Suyu, un truc comme ça. Voilà, tous les jeux d'Amstrad, les mecs, j'ai tout. Les jeux d'Atari et tout, mon gars. Bon, de toute façon, les mecs, vous l'aurez compris, j'ai pas téléchargé tous les jeux dans la machine, parce que ça fait beaucoup. Ouais, par contre, baisse le son, mon gars. Calme-toi un peu. J'ai pas téléchargé tous les jeux, mais je vous mettrai quelques vidéos pour vous montrer un peu de ce qui est capable de faire tourner la config. Voilà, et aucun problème pour faire tourner des Zelda Breath of the Wild, si vous voulez ou quoi. Là, je les ai pas téléchargés, mais voilà, vraiment, aucun problème. J'ai pas téléchargé des jeux de Wii U, il me semble, hein. Ah non, j'en ai pas téléchargé. Ou je les ai pas installés, ou j'ai pas réussi, je sais plus. Mais voilà, un des deux. Ah ouais, j'ai pas mis de jeux de PlayStation. Dangereusement vôtre. C'est quoi ça? Ouais, c'est sur quelle console? Amstrad, mon gars. Oh, la vache. Mon frère, il avait un Amstrad quand on était gamin. Un Amstrad, mon gars. Oh. 1985, gros. 1985. J'étais pas né. Je savais même pas qu'ils avaient sorti des jeux à cette date. Ah ouais, c'est James Bond et tout. Mais qu'est-ce que j'ai... J'ai fait quoi, gros? Écoutez ça. Trop bien. Excellent. You enter a code. 000. 000. Ouais, c'est quoi ça? Faut faire quoi? Je comprends pas. Faut que je fasse quoi, les mecs, là? Je suis où? C'est moi qui joue, là? Non. Je comprends pas. C'est ça, James Bond? Allez. Wow, comment c'est éclaté, mon gars! Il y a des gens qui ont fini le jeu dangereusement vôtre dans les commentaires. Je suis sûr, il n'y a personne qui n'a osé finir ce jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fini dangereusement vôtre sur Amstrad, sur PC? Ouais, je suis curieux. Regardez, les mecs, les jeux, Legend of Zelda et tout. Il y a tous les Zelda. Voilà, les Zelda de la Nintendo 64, en tout cas. Bon, c'est vrai que là, j'ai pas tant de jeux que ça. Alors, pas des trucs de ouf à vous montrer. C'est surtout ça, en fait. J'ai pas téléchargé des jeux de Xbox, PlayStation, Wii, Wii U. J'aurais pu, ça les fait tourner largement. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà, que c'était galère à faire tout ce que j'ai fait. Franchement... Voilà. Et qu'on me dise pas dans les commentaires, c'est ultra simple. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux plus entendre ça. Non, c'est pas ultra simple, les mecs. Il n'y a rien d'ultra simple. C'est ultra la galère, ouais. Bon, les mecs, écoutez, on va se laisser là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je le répète encore une fois, personne n'est visé pour les chaînes d'émulation, les mecs. C'était pour la vanne. Voilà, il n'y a pas de langage lunaire ou je sais pas quoi. Sauf toi! Toi qui m'as dit que c'est... Non, je déconne. Je déconne. Allez, les mecs, on se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines aventures. Merci de m'avoir suivi. Merci à Geekom d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur Geekom, je vous mets un petit lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.